Bonjour tout le monde. À l'occasion de la Coupe du Monde de rugby qui commence aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire de ce sport. Alors, allons-y. Le rugby recommençait en 1823 et viendrait du football. En effet, lors d'un match de foot du collège de rugby, c'est une ville du centre de l'Angleterre, que le geste fondateur fut réalisé par William Webb Ellis, qui était à l'époque âgé de 16 ans, et qui va donc faire naître les prémices du rugby. Lors d'un match, il va s'emparer du ballon à la main, pour courir et aller marquer derrière la ligne de défense adverse. Ce qui était un acte qui n'était pas dans les règles du tout. Il était permis à ce moment-là de se saisir du ballon, mais pas le droit de courir avec déjà dans le camp adverse. Et là, je vous laisse avec une petite biographie de William Webb Ellis. William Webb Ellis, né en 1806, mort en 1872, était un roturier originaire de Manchester. Orphelin d'un père qui est mort en Espagne au cours d'une bataille contre les troupes de Napoléon. Il suit sa mère à rugby avec son frère pour rejoindre de la famille installée dans le Warwickshire, centre de l'Angleterre. Webb Ellis était sans fortune particulière et se montre piètre cavalier, ce qui était choquant pour l'époque, et fait de lui un marginal. Au football, le révérend Harris le décrit comme un personnage utilisant les règles à son avantage. Malgré son fameux geste fondateur qui révolutionnera la manière de jouer, Webb Ellis s'écarta très vite du football et il choisira finalement la voie ecclésiastique en devenant pasteur. Il fut recteur d'une paroisse de l'Essex, comté au nord-est de Londres, avant d'exercer en France où il mourut. Par ailleurs, on peut retrouver sa tombe à Menton qui est entretenue par la Fédération française de rugby et qui est devenue un lieu de pèlerinage pour les rugbymen du monde entier. Mais cet acte fut, même s'il ne respectait pas les règles, marqua les esprits et fut gardé pour créer un nouveau mode de jeu du foot qui fut donc pratiqué dans cette ville de rugby et qui fut donc nommé le rugby football du nom de la ville où c'était pratiqué et qui donna donc plus tard le nom du sport. Mais bon, on partait quand même sur un sport qui était juste un dérivé du football à l'époque, mais des règles de base allaient progressivement se mettre en place. Ainsi, en 1845, des étudiants de la ville de rugby se sont réunis en levée, une sorte de commission, et ont fixé 37 règles élémentaires du code du football rugby, qui seront imprimées dans un livre, The Rule Book. Progressivement, ces règles-là allaient s'harmoniser à tout l'ensemble des écoles qui pratiquaient du coup cette version du rugby football qui s'était étendue. Et donc il y a eu une harmonisation des règles progressivement, alors que jusqu'à là c'était un peu chaque école qui avait repris ce principe-là, mais un peu à chacun à sa manière. Mais le rugby football va rapidement quitter le cadre universitaire, avec la création de l'RFU, Rugby Football Union, en 1871, qui va éditer des règles du jeu, avec notamment comme but de limiter l'aspect brutal et dangereux du sport, par exemple le hacking, qui est l'ancêtre du plaquage, qui consistait à faire tomber des adversaires par de rugueux crocs en jambes ou des coups de genoux. Donc des choses assez violentes, et donc il s'agissait d'encadrer tout ça. À cette époque, on retrouve 21 clubs dans la RFU, qui étaient majoritairement londoniens, mais d'autres clubs issus de la province d'Angleterre arrivèrent progressivement, comme par exemple Bath, qui est aujourd'hui le deuxième club le plus titré d'Angleterre, derrière Leicester. Il y avait également les clubs de Bradford, Liverpool et Brighton. À cette époque, les équipes de rugby étaient composées de 20 joueurs dans chaque camp, et le premier match international de rugby se faisait d'ailleurs encore à l'époque à 20 joueurs de chaque côté. C'est un match Angleterre-Écosse, qui s'est joué à Édimbourg le 27 mars 1871. Il fallut attendre le début des années 1870, pour que le nombre de 15 joueurs dans chaque équipe se stabilise, avec donc 8 avant, 2 piliers à l'honneur, 2 deuxième ligne et 3 troisième ligne, 2 joueurs à la charnière, demi-mêlée et demi-d'ouverture, et 5 arrières, 2 ailiers, 2 centres et 1 arrière. En France, le rugby arriva assez rapidement, puisque dès les années 1870, d'anciens élèves d'Oxford et de Cambridge développèrent le sport dans la ville portuaire du Havre, puisqu'ils travaillaient dans des entreprises de négoce localement, et ils occupaient leur temps libre en pratiquant du coup le rugby, qui plut pas mal parmi les Français du coin, et c'est ainsi que 2 ans plus tard, le Havre Athletic Club fut mis en place, et qui fut donc la première section de rugby de l'histoire en France. Ce qui est assez particulier, vu qu'aujourd'hui, la région du Havre n'est pas du tout une région de rugby. Le rugby continua de s'étendre dans la région, globalement remontant la Seine-Maritime, et l'Île-de-France, où il se développa énormément, puisque 2 clubs majeurs y apparurent, le Stade Français, qui est aujourd'hui le deuxième club le plus titré de France derrière le Stade Toulousain, évidemment, qui a remporté donc 14 championnats de France, et le Racing Club de France, aujourd'hui Racing 92, qui est aussi une équipe importante, qui fait partie du top 14. Une fédération fut créée pour regrouper ces différents clubs, l'UFSA, Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique,
et qui mit en place le premier championnat de France qui vit le jour ainsi en 1892. Et la première finale se joua entre le Stade français et le Racing Club, donc on voit bien la domination parisienne. Et Racing Club fut donc la première équipe à remporter le championnat de France avec 4 à 3, parce qu'à l'époque le compte des points n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui, un essai valait pas le même nombre de points, etc. Donc on pouvait avoir des scores de 4, qui n'est pas possible aujourd'hui avec le rugby. Et durant les années qui suivirent, c'est la domination du Stade français et du Racing Club qui continua, puisque jusqu'en 1899, où les équipes de province se développèrent progressivement. Par exemple, à Bordeaux, où une équipe assez performante se développa, et qui arriva d'ailleurs à affronter en finale le Stade français cette année-là, et à gagner 5-3, et donc étant la première équipe de province à remporter le championnat de France. Mais pendant cette période, les équipes d'Île-de-France restaient quand même assez dominantes, concurrencées un peu par Lyon et Bordeaux, mais elles gardaient quand même la majorité des victoires. Mais cela allait changer avec le développement du sport dans le sud-ouest, puisque c'est là qu'un grand nombre d'équipes se sont développées, de grands nombres d'équipes encore importantes aujourd'hui, Agen, Tarbes, Pau, Bayonne, Dax, et évidemment Toulouse. Et donc ces équipes qui se sont constituées se sont mises à participer et à prétendre désormais au titre, et à concurrencer sérieusement les équipes d'Île-de-France. Le nombre d'équipes donc se multiplia, puisque entre 1947 et 1992, on retrouve entre 40 et 80 clubs qui s'affrontaient dans le championnat national français. Avec la professionnalisation du rugby français en 1995, le nombre de clubs qui s'affrontent en première division a été réduit. Il est passé d'abord à 16, donc le top 16, avant de retomber à 14 en 2005 et donc devenir le top 14 que l'on a encore aujourd'hui. Le vainqueur de ce tournoi remporte le très convoité bouclier de Brennus, qui existe depuis 1892. Et c'est donc le Stade toulousain qui a remporté le plus souvent le Brennus, 20 fois, et qui a remporté d'ailleurs le dernier top 14 en finale face à l'ASM Clermont, 24-18. Le Stade toulousain est d'ailleurs également l'équipe qui a remporté le plus souvent la Coupe d'Europe à égalité avec Leinster, en remportant chacun 4 titres de champion d'Europe. Et donc aujourd'hui, le rugby français reste comme globalement dominé par les équipes du Sud-Ouest. Maintenant, on va voir un peu l'histoire du 15 de France, l'équipe nationale de notre pays. Il fut formé pour la première fois en 1906 pour disputer le premier match international de la France contre les Originals, qui était l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, qui ne s'appelait pas encore les All Blacks. Et ils perdurent 38 à 8. C'est une défaite assez lourde, mais on va voir bientôt que c'est pas la pire qu'on ait subie. Mais un peu avant, une équipe regroupant des joueurs des différents clubs parisiens s'était déjà formée avant 1906, puisqu'ils participèrent aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. En 1910, le 15 de France intégra le premier championnat européen, puisque jusqu'à là, il y avait depuis 1883 un championnat entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande, c'est-à-dire les quatre équipes britanniques. Ce championnat britannique fut transformé en tournoi des 5 nations avec l'arrivée de la France, qui est devenu en 2000 le tournoi en destination avec l'arrivée de l'Italie. En 1911, la France remporta sa première victoire internationale contre l'Écosse, 16-15, donc c'était assez serré, mais elle restait comme dominée par les autres équipes, finissant souvent dernière, et il fallut attendre 1954 pour qu'on remporte notre premier tournoi, et 1959 pour remporter le premier grand chelem, c'est-à-dire remporter tous les matchs du tournoi. Aujourd'hui, le 15 de France est quand même une équipe importante en Europe. C'est la troisième équipe la plus titrée du tournoi. 25 tournois remportés, dont 9 grands chelems. Derrière l'Angleterre et le Pays de Galles, qui ont remporté chacun 38 tournois. Et 13 grands chelems pour l'Angleterre, 12 pour les Gallois. Au niveau mondial, le 15 de France a globalement toujours quand même réussi à faire des beaux parcours en Coupe du Monde, même si elle n'a jamais réussi à les remporter. Elle a été 3 fois en finale, 1987, 1999 et 2011. 3 fois en demi-finale, 1995, 2003 et 2007, dont une troisième place en 1995, et les autres fois, elle a été en quart de finale. Même si ça n'a pas toujours été exceptionnel, puisque par exemple, en quart de finale en 2015 face aux All Blacks, on a perdu 62 à 13, ce qui était une des plus lourdes défaites de notre histoire, la plus lourde étant d'ailleurs contre les All Blacks en 2007, 61-10. Donc voilà, de toute façon c'est toujours les All Blacks qui mettent les plus grosses défaites aux autres équipes, hein, c'est courant. Ce match en 2015 résume assez bien la période de crise que connaît actuellement le 15 de France. En effet, jusqu'au globalement en 2010, le 15 de France restait quand même une équipe majeure, une équipe qui, si elle n'a jamais réussi à remporter la Coupe du Monde, pouvait l'être, pouvait gagner. Elle était redoutée par toutes les autres équipes. Elle avait gagné le tournoi Destination 2010 avec un grand chelem. En 2011, elle a réussi à aller en finale face à la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde. Moi, avec un parcours assez
difficile. On n'a pas fait non plus un parcours exceptionnel, mais on était en finale et on a failli battre les All Blacks, dans un match d'ailleurs dont l'arbitrage a été assez contesté. Mais depuis, le 15 de France n'a plus gagné un seul tournoi, enchaînant plutôt des mauvais résultats. Elle a même fini dernier au classement en 2013, et son meilleur résultat depuis, c'est la 3ème place. Et la Coupe du Monde de 2019 s'annonce encore difficile, avec une poule difficile, Angleterre et Argentine, sachant qu'il faut être deuxième pour, au moins pour être qualifié, c'est loin d'être gagné. Mais bon, si l'équipe nationale officielle n'est plus dans une très grande forme, il y a quand même dans le rugby français de quoi se réjouir. Déjà, les bons résultats des clubs, mais également l'équipe de France des moins de 20 ans qui a remporté plusieurs Coupes du Monde et qui peut donc donner un appui pour construire une nouvelle équipe avec cette nouvelle génération. Également l'équipe de France féminine de rugby qui fait de très bons résultats. Elles ont par exemple réalisé un grand chelem au tournoi destination 2018. Et dans son histoire, l'équipe de France a quand même eu des joueurs remarquables, des joueurs qui sont renommés. Plusieurs joueurs sont reconnus internationalement comme faisant partie des meilleurs joueurs du monde, comme Jean Prat, Philippe Séa, et il y en a d'autres qu'on pourrait citer, par exemple Jean-Pierre Rive, etc., etc. Ensuite, maintenant, voyons un peu plus en détail l'histoire de la Coupe du Monde. Puisqu'après tout, c'est à cette occasion que l'on fait cette vidéo, voyons un peu d'où elle vient et comment elle a évolué. Elle fut créée en 1987. Cependant, l'idée avait déjà été proposée dès 1947, puis en 1970, par des responsables de la Fédération Française de Rugby, de créer un championnat international qui regroupait à la fois les équipes du Sud et les équipes du Nord, parce que jusqu'à présent, le seul championnat international, c'était le 5 Nations. Mais l'IRB avait refusé les deux fois. Globalement, la raison, c'était que les pays britanniques étaient attachés au fait que le rugby soit un sport amateur, et une Coupe du Monde risquerait d'en faire un sport professionnel. Ce qui est d'ailleurs ce qui est arrivé, puisque le rugby est devenu vraiment un sport professionnel dans les années 90. Mais en 1983, l'Australie propose à son tour d'organiser une Coupe du Monde, suivie par les All Blacks en 1984, ce qui force l'IRB à étudier sérieusement le projet, et après d'âpres débats, avec d'un côté la France et les nations du Sud, contre de l'autre côté les Britanniques, la décision fut prise d'organiser une Coupe du Monde, et l'Apollo 1 devait se dérouler en juin 1987, et fut organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 16 équipes y participèrent, et elle fut gagnée par les All Blacks, ce qui annonçait leur domination sur le rugby mondial. Depuis, elle se déroule tous les 4 ans. En 1991, elle fut organisée par les pays européens et fut remportée par l'Australie. En 1995, ce fut l'Afrique du Sud qui l'organisa, dans un contexte assez particulier. En effet, l'apartheid avait pris fin récemment, le 30 juin 1991, et Mandela était président depuis 1994. Et c'est d'ailleurs la fin de l'apartheid qui avait permis au pays de participer et d'organiser la Coupe du Monde, le pays étant en effet jusqu'à là exclu des compétitions internationales à cause de l'apartheid. Et ce fut l'Afrique du Sud qui remporta cette Coupe du Monde, et cette victoire fut un symbole de la réunification du pays, et cet événement historique est raconté par exemple dans le film Invictus. Ensuite, en 1999, ce fut à nouveau à l'Europe d'organiser la Coupe du Monde, que l'Australie remporta une nouvelle fois, en battant la France en finale, qui avait pourtant fait un match de légende face aux All Blacks en demi-finale, match qui est probablement le meilleur match de son histoire. Cette Coupe du Monde fut également la première à réunir 20 équipes, comme c'est encore le cas aujourd'hui. En 2003, pour la première fois, une équipe du Nord l'emporta puisque l'Angleterre gagna sur les terres australiennes. Mais ce fut la seule fois que le Nord gagna et la domination du Sud reprit. En 2007, l'Afrique du Sud remporta la Coupe du Monde organisée par la France. Cette Coupe du Monde marqua également une montée en niveau de l'équipe d'Argentine qui arriva en 3ème position, et ce qui lui permit quelques années plus tard d'intégrer le tournoi des 3 nations qui est devenu le 4 nations. En 2011, la Nouvelle-Zélande organisa à nouveau la Coupe du Monde et l'emporta, obtenant ainsi son deuxième trophée, en battant en finale la France. Enfin, la dernière Coupe du Monde était organisée par le Royaume-Uni et a nouveau été remportée par les All Blacks, devenant ainsi l'équipe la plus titrée au monde, mais également la première à gagner 2 coupes d'affilée. Cette Coupe du Monde fut également marquée par la victoire surprise des Japonais face à l'Afrique du Sud, alors que les Japonais étaient jusqu'à là une équipe vraiment de très bas niveau, qui souvent se prenait plutôt 60-70-0 face à une équipe comme l'Afrique du Sud. Cette victoire fut donc un choc et une surprise énorme, une des plus grandes surprises de l'histoire du rugby, et fut un symbole de la montée en niveau des Japonais, qui certes ne sont pas encore au niveau des plus grandes équipes, mais les oblige à les prendre au sérieux et ne plus aligner des équipes secondaires face à elles. En effet, il est assez courant que lors des matchs face aux petites équipes, les grandes équipes mettent en repos leurs joueurs les plus importants pour les matchs face aux adversaires sérieux. C'est ce qui s'était passé en 2015 dans le match Afrique du Sud-Japon. L'Afrique du Sud avait mis une équipe
plutôt de seconde main face au Japon, ce qui leur a coûté la victoire. Cette victoire des Japonais a également permis de justifier l'organisation de la prochaine Coupe du Monde, celle qui commence donc aujourd'hui, et où ils espèrent pouvoir se qualifier en quart de finale. Donc voilà, on a fait un petit tour d'horizon de l'histoire du rugby, de l'histoire de la Coupe du Monde et de l'histoire du 15 de France. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, l'habituel pouce bleu, l'habituel commentaire, l'habituel partage, et vous pouvez vous abonner. Au revoir tout le monde, et bonne Coupe du Monde !